Donc ce soir, une grande satisfaction, une victoire. On a cassé cette spirale négative de 8 défaites consécutives à l'extérieur. Et avant de chercher la gagne comme on l'a faite là, sur ce match-là, on voulait surtout rapporter, ramener quelque chose de ce match. Donc on a les 3 points ce soir. On en est très content, mais on n'oublie pas d'où on vient. Le championnat est lancé maintenant, complètement lancé. Mes joueurs sont en capacité de gagner un match et puis d'enchaîner derrière, de le bonifier. Maintenant, on se projette sur le prochain match avec la notion de bien récupérer. Après, sur le contenu, il y a bien mieux à faire, même si aujourd'hui, on n'a encore pas pris de but. Je pense que dans la notion de transition, d'utilisation du ballon, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Forcément, comme on vient de la cave, on ne peut pas être flamboyant, et c'est pour ça que bon, ce soir, on n'a pas joué, on s'est plutôt bien battu. Elle avait besoin de progresser en termes psychologiques, dans la confiance, de savoir d'être en capacité de regagner ce qui avait été fait à domicile contre Toulouse, contre une belle équipe de Toulouse. Aujourd'hui, on sait comment c'est compliqué de venir jouer à Lorient avec ce terrain synthétique. Donc aujourd'hui, c'est plutôt des satisfactions parce qu'on ne s'est pas du tout arrêté à ces contraintes. On est passé au-delà de tout cela et on a fait un match plutôt solide défensivement. Après, effectivement, dans l'utilisation du ballon, j'ai vu des choses qui ne me plaisaient pas. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est d'avancer et de féliciter aujourd'hui les joueurs parce qu'ils se sont, encore une fois, bien battus. Écoutez, quand on a pris un but contre le deuxième but à Lens qui va nous mettre la tête sous l'eau, il y a un hors-jeu. Voilà. Maintenant, si ça s'équilibre, je vous dirai, c'est à la fin de la saison si ça s'équilibre. Mais je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas le refuser. Oui, non. Le chantier après le match de Toulouse, c'était plutôt, il y avait une certaine solidité qui se dégageait avec un manque de conditions, de compétition pour celle-ci. Et puis le chantier était sur cette semaine sur l'animation au milieu et ça a plutôt été une satisfaction. Donc aujourd'hui, si on n'a pas pris de but, c'est vraiment parce que tout le monde a travaillé pour. Et j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes choses. Il y a encore mieux à faire, bien sûr. Et après, c'est dès qu'on récupère le ballon, je pense qu'il y a une utilisation du ballon qu'on peut bien mieux améliorer. Voilà. Aujourd'hui, on pensait prendre peut-être des points ailleurs, on les prend là. Ça reste un championnat, c'est très ouvert, c'est un marathon. Voilà, on est plutôt bien lancé, mieux lancé plutôt, mais ça reste toujours un équilibre fragile, il faut faire très attention. Aujourd'hui, je ne peux pas m'attacher qu'à 11 joueurs pour faire toute une saison. Je m'attache à bien plus. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont rentrés, ceux qui ont démarré, puisqu'il y a eu des nouveaux qui ont démarré. Quoi, des nouveaux? Non, c'est pas des nouveaux. Mais il y a eu quelques modifications par rapport à Toulouse. Donc, ils se sont mis à la tâche et au niveau. Donc, c'est bien. Sur le plan psychologique, je vous disais, il y a 3 semaines maintenant que les choses ont évolué. Et ça se retranscrit maintenant sur le terrain.